y a querelle entre vous les musiciens. Tout le monde a dit maman à la moi initiative moko pour na ça ba musicien. Et le pour le petit solo le que non au meka moi mon ko mettre aux allo pour la idée pour que bon me ressent la bien ce bon me solo. Est-ce que vous allez facile? Est-ce que ba pour peser penalty to yona pour que ba me royo kapenza aux allo pour la voix chanceler pour que ba me kapena royo kana entre bino les araba querelle les ara toujours. En tout cas, l'être lukaka la paix zalaka obligatoire te. Na lobi te que na ko sangi ça ba musicien nyo soto. Mais na koluka na bunda po na koluka mwa ko potsa d'abord ba paix na kata mitema na biso na maloba na biso. Déjà na ko pesa mwa exemple ya moke. L'air nzambe akela mutu na mutu a pesa kay mwa na mwa defoy ya moke. Ce qui yo se permettre au final, peut-être une mentalité de foi aux anamou. Si on me permettre de finir, peut-être une mentalité de foi aux anamou. Mais aussi longtemps que tout ça, la soumission à l'éducation, à la population, on a été dans le choix, en tant qu'artiste et musicien, la salle à Banzembo, on a prôné la paix, drapeau blanc depuis la guitare, on a été dans le monde. L'air moussou, on a été dans le gouvernement, on a été dans le monde, on a été dans le monde. La salle pour le gouvernement, la salle pour le peuple congolais en général, tout tombe le drapeau blanc pour que la paix ait déjà la carte Yamboka, Nabiso. Il y a même des marches au Ozanango, il y a un mec qui a artiste, qui a été mis en train de se faire. Si on a un regroupement, Nabiso, qui est le moyen, tout ça, c'est la moussala, Nzambe a payé Nabiso pour nous éduquer, peuple Nabiso, pour nous tirer peinture et tout qu'on a dans la société, Yamboka Nabiso, Nabitumbate. Les musiciens sont là, bien tirés. Relation, madame, vous êtes mais vous êtes comme ambassadeur, vous êtes comme ambassadeur, mais relation, madame, vous êtes. Non, c'est que c'est parce que la moto qui est en contrôle à côté de la polémique. Hein? Mais... Le pour moi, on va hôtel. C'est peli pour combien ambassadeur. Non, on pense d'abord le message et pas à Jubé, et pas à Kofi, et pas à Fabregas, et pas à Nani Subolobaki, et pas à Bina Filé, Ferré, Fali, Nebozo, la démission d'Abisso. Bino tout bas comme on attend vous êtes responsable. Nous sommes l'option de salat, tout ça la pône à biso monte, tout ça la pône à peuple. Peuple bata la rabiso, autorité bata la rabiso. Nous souhaitons la rate à réseau, on a la ngaï mon côté, tout comme matin, jour 10, à ta 20, même ma génération à Sima, Baroya. Donc, nous avons un collègue qui a un boulot, tout bon, qui a moins isolé, tout valoriser la culture, nous sommes là, on a un peu de pour que tout ça. Changement d'adresse chez Djonga. Bole la kitro. Esika ya bino moko ezali te boye bake Djonga zuli bino solution. Azu esika ya ye moko ya kofandi sa idéologie. Esika oyo ba kongole tu. Ba kobanda ko ya kokutana na ndenge ya defuati. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Loko la ntaba ya kitoko pelengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko, chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi, bobanda ko zwa Suzuki Luzub, 4x4, yende muta kosepeli sabino nandenge ya sakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defo te na bakunga ya kosakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betwe bao difference yena Mone Namira Yanani Che Djonga de Malolo. Oui frère Babi Djonga La Congolia Futur hein?
Moto reçoit la 50 boîtes. Peut-être qui c'est Joe Masker. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit Créteil, 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 na bigango trois fois. La ville où Nzambe Pesibiso pour nos salami salaya bunganga ya Nzambe. Nzambe o abenginga ko banda bomwana na oetali prophétie pe délivrance. Nazala baptisé par apôtre Boulia, l'église Bima. Na témoignage parce que na yekoli prophétie, na yekoli délivrance. Na même sa mutu mora zo landangai. Peut-être yoka menan zo kazo ko yati. Na bonde lio na kombo na Yesu. Meka na Nzambe na ngai. Tout ça dimanche à partir de 13h30 service à prophétie et bandit la délivrance yaka meka dimanche et ça là ba maladie aussi la raté bo autre ba maladie incurable possession ozolanda mozako douter longola na doute sango pembeni meka na Nzambe na pension numéro contact benga na ozolanda siko 07 66 27 40 02 obotate on a problème à santé. Ma cambozo dérange bando za la porte simbarati. Ce que Nzambe nanga sa prépoa biki sa yo a délivré yo. To za na Créteil. Nzambe a pambola bino nyonso. Sacerdoce sera taraté, jamais irata. Yo nous invité nanga dimanche à 13h30 mutali bosu za la yo. Merci. Je suis la servante Claudine du ministère pour Christ pour tous à Paris. Nous vous attendons tous, venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique. Nous sommes situés au 1 voie Félix Eboué à Créteil, très près de la CAF, en face de la CAF et près de l'hôpital Henri Mondor. Venez nombreux, nous vous attendons tous. Nous sommes là pour vous accueillir. Merci. C'est quoi notre existence? Je rappelle que nous sommes un réseau des ambassadeurs universels de la paix. Ce qui est différent avec le réseau des ambassadeurs de la paix. Voilà. J'aimerais que ça soit très clair. Ça veut dire, nous sommes universels. Notre champ d'application est dans le monde entier. Voilà. Nous travaillons dans le monde. Ça veut dire, ne vous étonnez pas, cher lauréat, qu'on vous appelle un jour, qu'on vous demande d'aller intervenir au Canada, vous êtes dans les bons. Donc, vous êtes un ambassadeur universel de la paix. On va parler de la dignité, au fait. C'est quoi la dignité? Qu'est-ce que nous faisons? Et après, nous allons donner quelques caractères de notre réseau. C'est quoi qui nous caractérise? Caractérise notre réseau. Et quels sont les emblèmes que nous remettons à tous nos lauréats qui intègrent le réseau. Et quels sont les avantages? Pourquoi, quand quelqu'un intègre nos réseaux,
quels sont les avantages qu'il aura en tant qu'ambassadeur universel de la paix. Et peut-être pour une personne qui est intéressée dans la salle, quelles sont les conditions d'éligibilité pour être accepté dans notre réseau. Et après, on va essayer de vous parler de comment est-ce qu'on est organisé administrativement parlant. Vous devez noter que le réseau des ambassadeurs universels de la paix a été créé suite aux résolutions des assises organisées à Genève, en Suisse, ayant réuni sur l'initiative de la Fondation internationale Caritas, présente dans 120 pays, dans les mondes sous-développés. Il y avait des organisations non gouvernementales de développement, des ONG, il y avait des agences bénévoles internationales, il y avait des organisations d'appui au maintien de la paix internationale, il y avait quelques cadres représentants des structures additionnelles des Nations Unies, il y avait certains officiels représentants des États et des personnalités du monde scientifique. Et nous avons eu la chance, notre pays, il y avait un monsieur qu'on appelle Damas Batakila, qu'on appelle affectueusement le grand cordon, qui était présent à ces assises, grâce à l'époque au gouvernement de la République d'Isaïe, qui avait financé son déplacement, et il était là en tant que représentant de l'ONG qu'on appelle Assistance chrétienne au centre de l'Afrique, à Kamansi. Comment il a été, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Après avoir soutenu et défendu l'option par les délégués à ces assises sur la prévention des conflits et le maintien de la paix dans le monde, qu'il fit désigner, donc après que le grand cordon ait soutenu cette optique, il a été désigné par l'Assemblée pour créer un réseau. Un réseau qui devra désormais canaliser les efforts et les actions de tous les artisans de la paix dans le monde. Il fallait qu'il y ait un réseau qui essaie de canaliser toutes ces actions, et c'est là d'en faire rapport. On les canalise pour faire rapport au Conseil de sécurité via le secrétaire général des Nations Unies. C'est ainsi que fut créé les réseaux que vous avez entendu parler, que je viens de dire, les réseaux des ambassadeurs universels de la paix, qui avaient comme mission primordiale de travailler pour qu'émerge la culture de la paix dans le monde. C'est ça notre mission. Nous travaillons pour qu'émerge la culture de la paix à travers le monde. C'est pourquoi je disais que notre mission est internationale. Alors, il faut noter que ces réseaux, ici juste représentés, regorgent en son sein toutes les notoriétés recrutées dans les différents pays. Ne soyez pas étonnés de ces jours qu'on vous invite dans nos assemblées, que vous retrouvez un jour avec le président de la République qui vient en tant qu'ambassadeur, donc comme président. Il y a le procureur général, il y a toutes les notoriétés que vous connaissez, ils sont dans les réseaux. Nous nous retrouvons avec eux pour essayer de parler, converger nos actions afin qu'émerge la culture de la paix à travers le monde. Je vous ai dit que ce n'est pas un réseau et ce n'est pas une partie politique, un parti politique. On n'est ni contre ni pour un candidat. Non, ici on ne parle pas de politique. Tel qu'on est là, chacun a sa couleur politique. Quand on est ici, la seule chose qui nous unit, c'est la culture de la paix, ou soit le développement ou bien les actions sociales. Donc on n'est pas un parti politique. Vous devez faire sien et promouvoir les objectifs du réseau. Nous avons des objectifs que nous assignons. Quand nous disons par exemple que cette année, parce que nous avons une journée internationale de la paix, quelles sont les actions que nous devons faire? Vous devez être là, disposé pour appuyer toutes ces actions. Comment sommes-nous organisés administrativement parlant? Nous avons celui qu'on appelle
un coordonnateur général qui est empêché, comme je l'ai dit. On l'appelle coordonnateur général, tout court, on l'appelle grand cordon. Il se sent mieux comme ça. Qui est le président représentant légal de l'ONG ACA. Et c'est un président qui fonctionne à l'aide d'un cabinet administratif. Donc il a un cabinet qui existe. Voilà, donc lui il est au niveau du sommet, cordon avec un cabinet. Et ensuite, vous avez les coordonnateurs fédéraux qui sont ses représentants dans d'autres pays. Il y a des fédéraux dans d'autres pays, dans notre région, dans des provinces, villes, cités, ainsi de suite. Et ils travaillent comme des directeurs, comité des directeurs. Et après le fédéraux, vous avez les sous-fédérations, les coordonnateurs des sous-fédérations. Voilà comment nous fonctionnons administrativement parlant, les grands cordons avec son cabinet, les coordonnateurs fédéraux et puis les coordonnateurs sous-fédéraux. Chaque fois que vous avez un problème, n'hésitez pas, le cabinet du grand cordon est là ouvert pour vous recevoir. Voilà en quelques mots ce que nous sommes, je le répète, pas une église, pas un sexe. Vous ne trouverez jamais la nuit en train de crier, ça ne se verra jamais. On se réunit quand il y a un problème de développement, un problème social, un problème de la paix. Et aussi, à la seule différence avec les autres, nous sommes un réseau des ambassadeurs universels qui est différent avec ce que vous connaissez déjà. Je crois que beaucoup de gens connaissent Louis Rasson. Excusez-moi de les citer parce qu'un ambassadeur comme moi. Mais la différence, c'est lui d'un ambassadeur de la paix. Son champ d'action, c'est à Kinshasa, en RDC. Mais nous, nous sommes les réseaux universels. Nous avons nos actions partout dans le monde. Voilà ce que nous sommes. Au rang d'ambassadeur universel de la paix et diplomate international, M. Poumbou Mbouessé Dessy. Monsieur Mukwabili Yenin Franklin. Ils seront désormais appelés Excellence, conférés aux résolutions de la Conférence internationale sur la paix durable et le développement communautaire de Genève 1992, ainsi que la noblesse de leur mission. Fait à Brazzaville, siège international tournant du réseau des ambassadeurs universels de la paix, le 4 mai 2023, Excellence Damas Batakila, grand cordon des ambassadeurs universels de la paix et diplomate international de paix. Oui, Maman Françoise. La musique, s'il vous plaît.
deux véhicules. Hein. Ah oui. Les lauréats vont rester là-bas. Nous allons, avant que vous puissiez passer, on va les accueillir dans les réseaux avec l'hymne national de la paix. Et après, vous allez passer à tour de rôle pour les féliciter. Et on va clôturer notre manifestation. C'est la technique d'un prêtre. Nous prions à l'assistance de passer en commençant par les époux qui sont là et ainsi de suite. Merci. Prestar.
Bonjour Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la Paix. Bonjour cher frère, bonjour. Alors tout le monde est là, la nomination va nommer comme ambassadeur de la paix. Dans l'initiative, c'est un peu sa message. La bande de connus sont basés partout dans le monde pour partir ces missions en Bokanabiso, va comment nommer Bino comme ambassadeur. Tout le monde a déjà confirmé ambassadeur de la Kiti, va mettre Gims, va Dadjou, ou est rançon ambassadeur de la paix. Il peut le lot sous ambassadeur de la paix. Moi, message Mouké pour honorer Nabino partir ces missions. Donc, message, ça d'abord, il y a préciser que Nazali ambassadeur universel de la paix, Nazali dignitaire diplomatique. Ok. Oyo basali choix na bango à travers ka musala to salaka ndenge to yembaka to prônera toujours la paix. Bah artiste musicien to ça bah peintre et société. Netingai donc sans que na lukango bah lukingai selon ba témoignage depuis 2011. Bah banda Rolanda musique nanga depuis drapeau blanc donc l'ère na Kinshasa Sika na 2001. Alors, le PC, nous faut contribuer pour reprendre la paix dans le cannabis. La paix n'est pas de ça, le développement. Voilà la raison pour laquelle ça, le choix n'a pas de chancelier des Imbouessés. Merci. Différence déjà entre Yahweh Ranson, ambassadeur de la paix, et Oyayo. Bon, tout le monde a été comme Yahweh Ranson. Nous avons un ambassadeur de la paix au PSA qui est pouvoir par l'UNESCO pour encadrer la jeunesse. Alors, nous avons un ambassadeur excellence ambassadeur universel de la paix. Nous avons exercé dans la RDC, nous avons exercé pour le monde entier. En ce jour, nous avons le rôle de dignitaire diplomatique. Nous avons un politicien, je détermine bien, dignitaire diplomatique. Cela veut dire que le président de la République Azali, corps diplomatique. Ambassadeur Azali, corps diplomatique. Ministre, Batumoussou, Soumoua et Bélé, Azali, corps diplomatique. Donc Azali, dignitaire diplomatique. Nakata réseau Oyo, Bazo Senga, Nabisoto Ti, Alolendo, Te, Meto Lukande, moyen pour créer une idée, une inspiration pour ramener la paix à travers le monde. Biso tout l'air toyo ka na est ya Congo kuna bazo violer ba mama ba bota ka biso. Et ça la biso souci, ça la biso passe na mitema. Yango bitumba e bandisi ka sko donc film e bandisi ka sko to kota likambango pour tout luka mweto zong sa la paix à travers le monde, justice à travers le monde. Voilà. Mais tout monde ba artiste émission ba pese bango passeport diplomatique donc non mais c'est quoi qui s'en dame. Ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qui m'a fait un marathon sur la piste. La qui soit timide, on a quatre fois où je vais bien là. Chef, ben là la bande du moi si. Il a bien. Chef, ici là. On m'a donné beaucoup faka. Oh yo, mais nous sommes dans la ville de la Oh, nous prenons la caisse en Nako. Papa, on y a invité un laboratoire, mais un missile, et c'est la mission solution. Où t'es pas là? Ignorant, c'est un lancé. On m'a dit, séminaliste suppositoire, séminaliste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostérile, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, ce n'est pas ce traitement, ni on se tue. Il y a hémorroïde. Mais si quoi on ne peut pas rouler, on a une zone d'abus sur ma papa. Ce qui est limite, on mesure ma centimètre non avant de ne pas rouler. Comme on le voit, ça, on mesure les sous-sous, on commet les bords, toujours champion. On comprend. Par question de la question, on pense que c'est comme soutenir le Congo, tant qu'on a un laboratoire, mais un missile. Et puis, et ça l'a mis dans la santé à Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mususute. Ya Congo nde. Maman na kosi. Ye pa ko kosi. Wana na kulunga. Ye ki bores oyo. Mubali na nga sa ila bores oyo. So kona bores o te. Me mubali na nga. Toto nizo nga ya kukibi. Omoni na piso to presente yo. E salami na ba. Farmasyon kongole. Dokta pitu tonele. Ye mi sama.
Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, na suis formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marie Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation ba cosmétique, thérapeutique, naturelle. Nous allons qu'on œuvre dans le laboratoire CRMTA ou le laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nous sommes au besoin de la CRMTA et subir des essais toxicologiques et puis des essais cliniques. Et ça, la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude. Et puis, bah, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'ouverture, ils ont l'autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Bah, qui si on est dans produire la CRMTA et puis qu'on peut m'en aller n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont la mort de Bissot, dans la tradie thérapeute ou la naturothérapeute. Et où y a un biso, docteur de pharmacie. Awa na la laboratoire, mais ici, docteur Pichu Tondele, y'a de savoir. Les lots de mon triple action, na combo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café, et pour la copie, ça qui m'y a na ba vie na biso. Pourquoi tu bengi ya mon triple action? Maxi Bio Café, et ça copie sa solution dans trois catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mon Congo passi, a ta cause na problème ya érection faible. Maxi Bio Café, et ça copie sa yu endurance, paix, efficacité, sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café, ils allaient consommer sa graisse niosso dans les autos. Au pire, couper sa yo taille ou les sengeli, les boumou atasso qui moquette. Et y'a mis ça tout. Au pire, n'a pas eu de messa la koussa la moussa la passi, mon colombo bimba. En assez à moi, tout peut n'assez à malili. Maxi Bio Café, ils allaient couper sa yo vitalité, pré-énergie, y'a koussa la moussa la ma kasi ou ta mon colombo bimba. Bon simba été, Maxi Bio Café, salami n'a pas plante naturelle et peu efficace. Et na lo lengeni ni sengeli komela yango pour ko bénéficier na triple action pour na baibazali na mikili ya poto baibali ni kozwa Maxi Bio Café bolo na biso na nzela ya singa na ba numéro etia miwana pe na ba adresse au tutilibino Maxi Bio Café et pour ko pesa kimia na ba vie de couple na biso na ba santé na biso Maxi Bio Café ezo pesa nzoto kolongo no. C'est qui yope aux passeport? Na si na j'ai déjà carte passeport dans aux passeport diplomatique té pour na RDC aux la passeport universel pour na monde entier après 6 mois il y a exercice na ngai. Donc aux naza citoyen du monde. Nazali d'origine congolaise mais actuellement na comme citoyen du monde partout na rota monaka ta monde et ali mboka na ngai jusqu'à pour reprendre la paix. Alors, vous êtes artiste, alors comme Lokomi, vous avez nommé au Bongo ambassadeur, qu'est-ce que vous avez dit artiste et quoi s'attendre avec toutes les rancunes où ils ont réuni dans le monde artistique. Vous s'attendre ni n'est pas qu'on confronte à Bongo comme ambassadeur, comme en plus ni dans le monde musical. Justement, avant que tout le monde nommé ou alors Benganga, il est là pour qu'on appelle ça pouvoir et ambassadeur international de la paix. Na prendra déjà la paix na ba chaîne ba télévision ni osoto na ba émission ba balana ngai. Ce qui veut dire que biso ba artiste émission congolais toko la paix to meka ko comprendre que nous tous on a devoir tous ba peintre la société tous on a soumission ya éducation ya population na biso eh na roluka pe tous ça ba regroupement na biso ba sokoda nege to kuta na ba secteur mousus ba imiko to ba na roso la paix li suspend la paix. Tout ce qui est au fin de la vie, c'est que la chance est là, la vie est là, mais tant que tu es en train de faire la famille musicale, tu es là, tu es artiste, tu es là, tu es là, après, tu es là, 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 non. Au contraire de nos vivants, tu es là, tu es là. Exemple, je suis là, 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 l'union fait la force. Voilà. Attends, j'ai des imbossés. Les loyaux aux ambassadeurs universels de la paix.
tout le monde a parti est na biso ya mboka moi ba nous ezali maki les ali depuis tozala le loyo komi ambassadeur universel de la paix loko nini yo ko ki ko porter par rapport ya ba maramozo le kana est na biso ya mboka. Déjà, na ba propre frère nanga, si je ne me trompe pas, l'année passée, na kené déjà reçu la visite. Ce gouverneur na biso ya nord qui va me rendre tout à l'heure là, à remonter la émission, na kené pour attendre la main à la civilité, nanga pour encourager, pour soutenir bande de commerçants à Butembo, Beni, Goma, na côté à frontière nous surtout qu'on a la volonté nanga imoko. Mais comme le loi pèsingaï mission na pouvoir officiel, na reluka moyen avant na peine équipe nanga to réfléchir na bango na ba conseiller nanga to réfléchir nango to mega weba. Ma première panine est entamée dans les tout prochains mois, les tout prochains jours pour soutenir la paix et quota vraiment la carte est à Congo la mission. Voilà, chancelier Désimbo, bonjour. Je tiens déjà à vous féliciter par rapport à Ndengotu comme ambassadeur déjà là actuellement. Vous allez dans le réseau d'ambassadeur au Lelo Bazar pour qu'on ait pour la paix. Y a, on ne pas dire paix nationale, mais paix internationale parce que le jeu est vrai, la bambou qui est belle. Chancelier Désimbo, Léo Narolobelo, au moment qu'on a rejoint rapidement la question, Moutouna et Ndekonanga, moi je poser question lobby mais il y a querelle entre vous les musiciens tout monde a dit ma match à la moine à mes capes pour une initiative moro pour nous sanction ça va musicien et le pour le petit sur le lobby que non on met comme moi mon mettre aux allées pour la bas idée pour que bon micro sang la bien sur mon micro solo est-ce que vous allez facile est-ce que vous pouvez se rappeler les taux et voilà pour que même au capenza aux allées pour la voix chanceler pour que pas mes capena au yoka entre binon les arabes qui les arabes toujours. En tout cas, l'air de l'Ukara, la paix est obligatoire. Dans le lobby, il y a des sangs, des médecins, mais il y a des bunda pour que l'Ukara soit d'abord la paix, la catamité, la biso, la maloba, la biso. Déjà, je vais vous un exemple. L'air de l'Ukara, il y a des défauts. Ceux qui se permettent au final, peut-être une mentalité de faux. Ceux qui me permettent au final, peut-être une mentalité de faux. Mais aussi longtemps que tout ça, sous mission et éducation, il y a population en Mboka. Il y a des choix en tant qu'artiste et musicien. Dans la salle, il y a des gens qui prennent la paix, la paix, la paix, la paix, drapeau blanc depuis la guitare en Mboka. L'air moussou n'a mis tout en paix, mais le gouvernement va bien. Il y a des gens qui prennent la paix, mais la salle, on prend le gouvernement, la salle, on prend le peuple congolais en général, tout tombe le drapeau blanc pour que la paix est déjà dans la guitare en Mboka, la biso. Il y a même des marches au Pénarosanango, il y a des artistes, il y a des musées, il y a des balais, il y a des salles, il y a des groupements, il y a des salles, il y a des alors sentiment nous avec une dernière intention au cas qui appelle voilà qui va pour na kiyo. En tout cas na lobai que depuis une colla nanga nazaro kanisa que nazaro kozala pasteur au ben nazaro kozala musali yanzambe pour que na te anaka chanda ko yanzambe. Alors lelo na koma kote ya mokili à travers ma chanson. Il y a remonté vraiment la chanson dans le barano 0% il y a insanité nakati l'air bango ba yoki nzamba kote na samité mana bango na za ikuto atena kinchasa na ngola ba tikelinga message l'air ba tinelinga message on a tindeli ba tumusu baza na raison nga ya WhatsApp ba musu ba mina noke ba balingi ba escroquer yo parce que ba aventurer ba za moi ebele ebele pendant le comment ça les escroquer en fin de compte na tindi mutu nga moko Abel Azali collègue nga na kote la réalité. Pourquoi pourquoi parce que depuis que nous avons fait la paix, peut-être dans l'étranger, il y a déjà la paix, la paix, la paix, drapeau blanc. À un moment donné, au Bunga qui est dans tout le monde le soutient. Depuis 2011, après l'élection, tout le monde a fait la paix, il y a des gens qui ont fait la paix. On a changé nationalité, on a gardé la nationalité congolaise. Pourquoi? C'est que vous êtes fiers, vous êtes là. Congolais. Alors, tout ça, on a besoin de Congolais pour que paix et zone à la. Donc, pour moi, c'est une fierté. Et non seulement une fierté, mais aussi un devoir pour que dépêcher l'ensemble de la paix.
pona bana pona ba mama pona mboka na biso ndenge na kobunda na ngope à travers le monde toli pendo cha pepo ba mission belé ba so la raté webi bango penda très bien ba so la raté relation ya malamu za raté soto tanga ba kombo JB Kofi relation malamu za raté wera Kofi relation relation malamu za raté na ebité message no repisa na ba ndeko no ba collègue ba otala ba mission ba so la bien té relation malamu za raté mais bozo komara ba ambassadeur bozo komara ba ambassadeur Non, 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 c'est que c'est grave parce que la moto qui okay, se contrôle à côté à polémique. Hein? Mais, le comment on va dire là? C'est Pelli pour combien ambassadeur? Non, la repèse a d'abord le message et pas à JB et pas à Kofi et pas à Fabregas. Et pas un anus pour le bac, et pas un bin affilé, ferré, fali, n'est pas besoin d'une émission à Bissot. Bino tout bas comme on attend à vos abats responsables. Voilà. Nous sommes à l'absence de ça, à tout ça, la pône à Bissot, monter tout ça, la pône à peuple. Peuple bat à l'Arabie, son autorité bat à l'Arabie. Nous avons souhaité la rate à réseau, on a la naïe mon côté, tout comme matin, un jour 10, à ta 20, même la génération à Sima, Baroya. Donc, nous avons un collègue qui a un boulot, tout bon, qui s'est moins isolé. Valoriser culture nabiso na musala on nzamba pesa biso pour que tout ça est là peuple congolais na peuple ya monde entier parce que musique ezali universelle. Merci beaucoup. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci vraiment monsieur l'ambassadeur Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse affusée tous vraiment ensemble awana monsieur l'ambassadeur chancelier des IMWC donc pour nos images de ba commissaire lelo ambassadeur merci na Ladi Fumo Mokonzalo c'était motema ya maman Arlette Fumo Merci à Karusha Sadik, la Finlandaise et Maman Sociale. Merci à Jimmy Tumanga, Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, Solution. Chez Jimmy Tumanga, pourquoi pas, à Freddy Ndonga, la Irlandais, Flat Hotel, les Irlandais, à Kitambo Vélodrome, à Réchanik, à Zotalabiso, à Balobi, PDG Pote Malanda, de la société Hero Pro Service, à Zanapona, à Travail, à Binonios, Oyo, Italie, donc. Donc, on va travailler sur l'Italie. Merci vraiment. Merci à Fabiola Madidi. Merci vraiment. Jimmy Tumanga pour de la chapelle des gens à Boaka qui est Bandeko Nyonso, Bozo Talabiso, pourquoi pas na César Passioti, Yangoi, Loboko, Yanzambe, Bambo Tenayo, merci tous ensemble, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à Fizeto, continuez toujours, Moussa Nabiso, merci Pena Eloise, Patasse, Napesio, Bambo Te, Place aux Ali, merci.